Pas mort. Ah le gosse, le gosse il l'a tué. Bien joué le gamin. Sur les autres God of War, tu rencontreras tous les ainsi que certains titans. C'est un fils de trouver le dragon géant, attends de voir les titans Atlas. J'avais vu quelques. J'avais vu les cinématiques des trois God of War, parce que je m'étais maté une vidéo où c'est que. Il faisait un récapitulatif de l'histoire et tout. Mais j'avais vu que, ouais, que Kratos il défonce des géants et tout, quoi, c'est abusé. Ah ah! Ok, il y a là. Ici. Hop là. Lumière! Aziz, lumière, merci. Atreus! D'accord! Notre stèle. Et on est reparti. On va devoir faire péter des choses. Ah, c'était là le coffre, je crois. Je crois. Gamin! Merci. Non, c'est pas ce coffre. Oui, j'ai dû un peu baisser la qualité. Parce que la connect, elle est pas vraiment bien en fait. J'étais un peu forcé de baisser ça. Désolé. Convenable.
Waouh. Ah oui, non. Je me disais, c'est gros. Attends, mais là, je suis... J'ai trop avancé, en fait. Attends. Il me manque un coffre. Et je sais pas trop quoi. Allez, passe. Qu'est-ce que tu... Que fais-tu ? Kratos ! Ne combat pas mes ordres. On va pas commencer ça, hein. Merci. C'est pas grave, on avance. On va revenir pour le coffre après. Ah, bien joué. Merci, Shadok. Ah, le pont. Pas baisser le pont. C'est pas un truc à casser, ça. Putain, c'est noir, je vois rien, moi. Avoir quoi? Non. Non, c'est une poulie, il faut l'activer. Casse-toi, le corbeau. C'est moi qui vois qu'il manque un truc. Ah, ça. Des fois, c'est un peu noir, je vois rien, quoi. Bah, surtout, j'ai l'éclairage dans la gueule, en fait, ça aide pas. Fait un peu beaucoup de... C'est le fils. Beaucoup d'épées, non? Le fils du spectre. Comment tu le sais? Le sceau. C'est le même que celui sur la dague plantée dans le dos du père. Il s'est défendu, mais ça n'a pas suffi. Il leur a arraché la tête. Ils l'ont trahi. La trahison entraîne la trahison. À mon avis, les hommes n'ont pas apprécié que le gamin tue son père. Il se croyait prêt à commander. Ça lui a coûté la vie. Sûrement. Là, regardez, à ses pieds. La pierre a aiguisé. Oui, ils lui ont enfoncé le crâne avec. Vraiment ? Bah. Je vais avec toi ! Père ! Attends ! Ah putain, il y a des trucs qui tirent aussi. Oh, oh la vache, encore heureux qu'il fait pas très mal. Pause. Objet épique talisman, relique ancienne de L, jugé trop puissant pour rester entière, les fragments de sa force passée ont été... disséminé à travers tout le royaume. Ok. Alors, crée une petite zone défensive qui empêche... Non, c'est pas ça. C'est ça. Relique ancienne. Et ça fait quoi?
Ça a l'air d'être une attaque au corps à corps. Toi, tu vas être chiant, toi. Si Sindri la veut, c'est qu'elle doit être utile. Eh bien, les pillards ont des priorités bien à eux. Si une chose ne brille pas et qu'on ne peut ni la boire ni la manger, on peut toujours enfoncer un crâne avec. Coffre. Ça fait deux coffres. Tu peux tirer à travers ? Ouais. Oui, tu peux complètement tirer à travers. Y a pas de problème. Oh! Ah! Ok! Cool. J'avais pas vu. Alors techniquement on a deux coffres à récupérer, je crois bien. Il faut qu'on teste l'attaque. Un dieu d'abord. Ennemi à terre. Atreus. Oui, père. Je peux pas ouvrir, putain. Il y a un parchemin ici. Connaissance. Il appartenait au fils. Waouh, il en avait des choses à dire. Père, pardonne-moi. Congé par les remords. Regrette mes actes. S'il avait réfléchi avant d'agir, il n'aurait pas eu tous ces remords. Pas vrai? Ouais. On devrait peut-être apporter ça à son père. Dans la réserve. Hein ? Tu veux retourner à la réserve ? Mais t'es fou ! Tu sais que c'est méga loin ? Bah attends, il me manque un coffre, je crois, hein ? Non ? Je m'en rappelle plus. Maintenant, j'ai un doute. On va refaire le chemin vite fait, puis après... Après on repart. Le grand portail. Où ça le grand portail? Ouais parce que là je pense qu'on peut passer avec le bateau. Il y a des choses dans l'eau. Donc en théorie, on devrait pouvoir passer. C'est bon. Ok, on va pouvoir passer.
On allait voir là ou pas? Ah, c'est là, voilà, c'est ce coffre que je voulais ouvrir. Évidemment. Ok, on a tout. On peut partir. On peut retourner voir le nain. Retourner voir le nain, on continue notre... Non, on va continuer d'abord avec le bateau, après on repart au nain. Trouver une autre sortie. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ? Alors, faudrait qu'on s'accoste. Est-ce que j'ai passé l'endroit ou pas? Faudrait bien combattre. Des petites choses qu'on teste la, l'habilité. Mmh, c'est par où ? Par là-bas. Allez, bestioles, s'il vous plaît. Venez. Ou pas. Parti. Ça me gêne de pas pouvoir charger ma rage. Putain, ça me ça me perturbe. Comment ça s'est passé dans la forteresse? On a trouvé la pierre à aiguiser. Oh! Magnifique! Oh, quelle drôle de tâche! Les pillards ont enfoncé le crâne d'un des leurs avec. Oh! Merveilleux! Tenez, votre récompense. Pommeau de hache. Ah, c'est pas mal ça. Change de regagner de la vie à chaque coup. Ça peut être pas mal. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle pierre. Elle ne paye pas de mine, mais je sens presque la magie crépiter en elle. Il m'en fallait une nouvelle depuis que mon frère a emprunté la mienne. Je l'ai vue cracher dessus. Pour la lubrifier, il m'a dit. Je lui ai dit qu'il pouvait la garder. Je sais pas. 4, 5. Et là, ça monte à 7. Ouais, enfin, je pense pas qu'on ait besoin de vie, en fait, de régène. Des larmes de dragon pour l'augmenter, on peut le faire. Parfois, le meilleur achat est celui qu'on ne fait pas. Bon, eh bien, revenez quand vous aurez besoin de quelque chose.
Ça va par où là? Ah, mais c'est pour revenir. On va prendre la porte. Ça me stresse. Important. Ce n'est sûrement rien. Il a juste dit que le garçon lui rappelait quelqu'un. Moi? C'est pas possible. Non, je suis bien d'accord. À moins que peut-être qu'il fait référence à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La légende dit que quand Jormungandr et Thor s'affronteront lors du Ragnarok, l'arbre de vie tremblera si fort qu'il se fendra, en voyant le serpent dans le passé, avant même sa naissance. Quoi? C'est absurde. Ah, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Alors. Retourner à la réserve de Fafnir, c'est où ça? La rivière. C'est là. Atreus, suis-moi. J'arrive tout de suite. On va retourner à l'esprit, à la réserve. Mais c'est loin, hein, c'est chiant, c'est un peu loin quand même. Il y a quelque chose. Mais bon, moi ça sera fait. Bonne nuit, Saphir. Merci d'être resté. À demain, sûrement. On peut accoster ici. Enfin. J'ai un doute d'où on est en fait. On est au bon endroit. Je sais pas. Je crois. La boussole ne ment pas. Charmant. Ravi de te voir aussi, Sindri. Crétin. Oh. Serait-ce un morceau de ma flèche de tressé qui orne la lanière de ton carquois? Un petit souvenir de ton ami Sindri? Oh,
Je suis extrêmement touché. Ok. Sympa. T'es déjà parti voir le grand portail à côté de l'esprit qu'il fallait récupérer les trois os. Non. À côté, on s'est arrêté à l'esprit en fait. Oh, il y a du monde. Concentre-toi. Merde, là tu as monté de niveau, enfin c'est pas grave. Le portail. Non, enfin non, on s'est arrêté pile devant le l'esprit qui nous a demandé de récupérer les trois os. Trois os, donc on doit y retourner après, de toute façon. C'est l'histoire principale, donc on y retourne. Si c'est au bon endroit que je pense. Alors, machin. Viens, faut qu'on discute. Qu'est-ce que vous voulez en... On a trouvé votre fils. Lui aussi a été trahi. Et on a trouvé une partie de son journal. Il disait qu'il regrettait de vous avoir tué. Ça me fait une belle jambe. Comment est-il mort? En se battant, j'espère. On a trouvé quatre corps près du sien. Ils avaient été décapités. Van Dritt gardait toujours son épée bien aiguisée. C'est moi qui lui avais appris ça. C'était un meurtrier et un traître. Mais je suis content de savoir qu'il est au Valhalla. Merci. On a fait une bonne action. Je suis content qu'on soit venu ici. Ce voleur ne méritait pas la paix que tu lui as accordée. Peut-être. Mais ça fait du bien d'aider les gens. Même s'ils sont morts. On croirait entendre ta mère. On croirait entendre ta mère. Pas un portail par là. Plus loin. Bon, bah maintenant, histoire. On est bon. Ah! Je me disais, ce corbeau il est un peu gros, non? J'ai vu l'ombre, je me suis dit, c'est un peu gros ça, non? Et Sindri. Oh, les fameux frères Uldre. Qui ne les connaît pas, ils sont célèbres par ici. Tristement célèbres, diraient certains. C'est eux qui ont fabriqué Mjolnir, vois-tu? Le marteau de Thor, l'arme la plus redoutable des dieux Haz, le fléau des géants. C'est eux qui ont fabriqué le marteau de Thor? Je pensais qu'ils aimaient pas les Haz. C'est le cas, mais c'était il y a fort longtemps, et ils avaient envie d'établir leur réputation à cette époque-là. Ils y sont allés un peu trop fort, si tu veux mon avis.
peuvent pas me faire un marteau comme ça, moi aussi. Je serais content. Allez, on est parti. On y va. Wow. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense, mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Après l'histoire. Pourrait-il qu'une dispute éclata entre eux et les généraux ? Putain, mais ferme ta gueule ! Voilà. Fait chier, il a pas fermé sa gueule. Bah, maintenant on a raté l'histoire. C'est chiant. Voilà. Nous avons rassemblé toutes les parties du corps de ta femme, esprit. Montre-nous la magie que tu nous as promise. Ah, ma tendre Gulvig. Entière à nouveau. Lève-toi, Gulvig. Réveille-toi, puissante Gulvig. Evni ou Kabithias. Oula. Elle honorera notre requête. Elle divagna. Et qu'elle nous réunira. Elle va nous tuer. Eh ben, t'avais raison. Ah, avec les flèches, il peut empêcher les morceaux d'acide, les boules d'acide. Ah,
l'avais dit. Je te l'avais dit. T'es un garçon naïf et stupide. C'est également vrai. Mais ne retourne pas ta déception contre moi, Atreus. Qu'elle te serve de leçon. Oui, père. Gullveig. Par contre, j'ai vu qu'on avait récupéré encore un morceau de tir. Tir, truc, tailleur, tir. On va pouvoir faire une autre partie d'armure ou alors augmenter ce qu'on a. Je voudrais bien tellement augmenter celle-là parce qu'elle est classe. Elle est très stylée. Il faut combattre des vagabonds. Faut en trouver, quoi. Trouver des vagabonds, ils sont chiants à combattre en plus. Sur un village. Oui. En tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soit Far a juste eu un coup de chance. Sympathique. Mais attends, je t'ai pas dit de tirer. Arracher la mâchoire. Merde. On cherche un burin. Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. J'avoue, c'était un peu dégueulasse quand même. Ce cristal sur la main du géant semble prometteur. C'était classe. Zut, on dirait que ça a rien fait du tout. C'est scellé avec de la magie, je le crains. Mon frère, on dirait que ce cristal a retrouvé sa force. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est pour détruire les parties. Cool. Oh, bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Ah, c'est du God of War. Toujours sanglant, je pense. Mais là, c'était graphique. C'était bien graphique. Qu'est-il arrivé aux survivants ? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Fermé par un sceau magique. Tout gelé. C'est pas sa main, ça? Putain, ça donne beaucoup de runes, ça. Vache. Pas mal pour les runes, pas mal. Le voilà. Ah ouais. Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Ah ouais, quand on parle d'un géant, il est vraiment géant, quoi, le truc. Ennemi, droit devant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y en a sûrement plus qu'un. Super, sauf pris dans l'attaque frénétique du Wolfer, je peux détourner l'attention de la bête avec une flèche bien placée. Si jamais on fait de la rune, si jamais on veut faire attaque rune, faudra mettre de l'équipement Wyrm du coup. Ça a l'air pas mal. Voilà le socle cristal qu'on a vu. Mais comment faire pour qu'il descende ? Bon, on a une porte.
Oh, là-bas. Ah, je sais. Là, sève. Hé, hey, de la sève durcie de l'arbre monde, ça tombe bien. Génial. Tu peux les lire. Bien. Par ces dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui. On raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Qu'est-ce qui te fait? T'es bizarre, gamin. Ah. Bon. Alors. Oh putain, c'est chiant. Alors, E et triangle. De la sève. Ah là-bas. J'avais pas vu. Enfin, j'avais vu, mais j'avais complètement oublié. Alors. Oh mon dieu, ça va être lourd. Ah chiant. Yeah. C'est bon. Alors d'abord, je vais avancer un peu. Quoique, non. Non. Je me demande ce qu'il y a derrière. Le lancer de hache. C'était des cauchemars de glace. Il y a quoi en dessous? Comment on descend? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Il va utiliser le marteau géant, non? J'arrive pas à cibler des fois. C'est bizarre. Let's go.
J'ai pas fini mon combo à 54 coups, oh merde. J'aurais pu rester encore en vie un peu plus longtemps. Encore ? Encore. Oh merde.